Bonjour à tous et on se retrouve tout équipé pour revenir sur une journée qui s'est déroulée lundi 16 janvier 2017. Ce lundi-là, avec Mathias, nous nous sommes rendus dans les Hauts-de-France, tout près de Saint-Omer, pour tout simplement l'inauguration des nouveaux locaux des distributeurs de produits Alternative Sport. Alors, Alternative Sport, ils sont implantés en France et ils distribuent toutes les marques qui sont écrites juste ici. Water, Profil Design, Cat-like, ISM, Bike 7, Squeezie. On y était invité pour tout simplement découvrir les nouvelles gammes de produits qui allaient être diffusées sur le marché cette année. Et en particulier, découvrir le tout nouveau groupe Rotor Uno qui arrive sur le marché dès le mois de février. On revient en image sur cette première expérience de journée marathon. Presse, allez, c'est parti, place aux images. La journée a commencé par un marathon de différents ateliers qui permettaient tout simplement de découvrir les marques concernées avec à chaque fois leurs spécificités, leurs nouveautés pour l'année 2017. Allez, place à la première marque présentée, Cat-like. Cat-like, c'est une marque espagnole qui distribue des équipements pour la personne, donc des casques, des lunettes, des chaussures. C'est une marque haute en couleur qui nous propose vraiment une variété de produits, surtout en termes de casques très divers pour vraiment s'adapter à toutes les situations. Cette année, deux grosses nouveautés en termes de casques sur le marché Cat-like. Il y a toujours, bien sûr, le casque Whisper qui est une des références des casques Cat-like. Pourquoi ? De par son nombre d'aérations, quasiment le casque le plus aéré sur le marché avec 39 ventilations. Il nous a été offert ce Whisper durant cette journée. On pourra l'essayer en long, en large et en travers, surtout pendant l'été. Ça va vraiment être un casque qui va être un allié parfait pour cet été. On y reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo test. Alors, les deux grosses nouveautés cette année en termes de casque chez Cat-like, c'est le casque Cloud qui était déjà présent en fin d'année dernière. Le casque Cloud a été créé tout simplement pour répondre à l'appel des casques aéro. Vous le savez, toutes les marques proposent leur solution de casque aéro. Chez Cat-like, on nous a alors proposé le casque Cloud. Sa spécificité, il y a au-dessus de ce casque deux coques interchangeables qui se visent dessus plus ou moins aérées pour tout simplement fermer plus ou moins le casque. Le défi de Cat-like avec ce Cloud, c'est tout simplement d'offrir un casque aéro, mais toujours avec une ventilation parfaite. Et la principale nouveauté chez Cat-like en termes de casque, c'est que petit à petit, ils ramènent toute leur production en 100% made in espagnol. Et ça, ça fait plaisir de voir que les marques font un retour en arrière avec le made in China. Ici, Cat-like, avec le Cloud et leur tout nouveau casque Olula, va faire revenir sa production en Espagne. Donc c'est du 100% artisanal à la main. En Espagne. Le deuxième casque, le casque Olula, qui est un casque beaucoup plus simple comme vous pouvez le voir sur les images. Le casque Olula, il va tout simplement répondre à une demande d'avoir un casque un peu moins extravagant en termes de style. C'est vrai que les casques Whisperer, Cloud vont vraiment être des casques qui vont être haut en couleur et haut en style avec un peu des pics de partout ici, enfin des arrondis de partout pour incorporer les aérations. Ici, le Olula va vraiment proposer un casque plus basique. Mais toujours aussi bien ventilé avec son système Dual Flow, sa conception bicoque et bien sûr toujours une 8 ou 10 couleurs proposées, donc qui va vraiment se permettre de s'accorder avec toutes les tenues et tous vos vélos, et ça c'est vraiment le gros point fort de la marque espagnole. Cat-like, vous connaissez peut-être un peu moins, mais c'est aussi une marque de chaussures. Cette année, ils ont décidé de mettre en avant leurs chaussures de route Cat-like Whisper, exactement la même gamme que les casques. Donc c'est des chaussures haute performance à un peu plus de 200 € avec une semelle en graphène et carbone, donc une semelle très rigide mais à la fois très confortable, très aérée avec ses aérations sur le côté. J'espère pouvoir un jour les tester, ces chaussures Cat-like Whisper, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'elles sont à nouveau hautes en couleur comme à l'image de la marque. Mais si nous étions dans les locaux d'Alternative Sport, c'était avant tout pour la marque Rotor. Alternative Sport, ce sont les distributeurs exclusif de la marque Rotor en France. On avait donc accès à l'ensemble de la gamme Rotor sur place. L'occasion de retrouver les différents plateaux à l'image des différentes nations qu'on connaissait déjà sur le circuit, ainsi que les boîtiers de pédalier que j'utilise d'ailleurs actuellement sur mon Dengfu. J'ai un boîtier de pédalier Rotor qui est vraiment d'une fluidité, même après plus d'un an, vraiment très bonne. À venir aussi en test sur la chaîne, un petit compteur monte qui va vous permettre tout simplement de déporter votre compteur. Donc ça, on connaît déjà ce type de compteur. Mais l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est vraiment très très léger et on pourra venir y placer une caméra en dessous. Donc on verra si l'ensemble du produit, bien qu'il soit léger,
eh bien, il est ce qu'il est, assez rigide pour pouvoir supporter le poids d'une caméra, etc. Et la principale curiosité lors de cette journée, c'était bien sûr de découvrir visuellement le groupe Rotor. Malheureusement, durant cette journée, c'est vraiment été une journée marathon très rapide. On a pu réaliser une petite sortie de 40 km, mais je n'ai pas pu accéder tout simplement à ce groupe Rotor Uno pour pouvoir le tester vraiment. Une chose est sûre, le groupe Rotor Uno, comme à l'image de ces plateaux, va vraiment à contre-courant de ce qui existe sur le marché. Rotor Uno, c'est de la légèreté dans un style totalement loufoque, encore une fois. Enfin, loufoque dans le bon sens du terme. Ici, on a vraiment un groupe déstructuré, vraiment dépouillé de toutes les choses qui sont inutiles. Et surtout ici, alors que chez les concurrents, on va partir sur des groupes totalement électriques, totalement sans fil, ici on part sur un groupe 100% hydraulique. L'objectif de ce groupe Rotor Uno, c'est tout simplement d'avoir un groupe léger et avec un ressenti proche du mécanique sans les inconvénients des problèmes de réglage, de maintenance, etc. Donc le groupe hydraulique, ça fonctionne comment? Ça fonctionne tout simplement à l'huile minérale. Donc c'est un circuit fermé, quasiment zéro entretien, et ça c'est ça qui est bon. En termes de style, comme vous pouvez le voir, le groupe est vraiment à l'opposé de ce que l'on peut voir, avec des dérailleurs, c'est vraiment déstructuré, vous avez juste les barres, on voit tous les ressorts apparents, c'est vraiment très joli, ça, on voit que Rotor réussit à maîtriser l'usinage de précision au travers de ce groupe, ils ont vraiment mis toute leur technicité à l'intérieur. Les dérailleurs ne sont pas beaucoup plus gros que ce qu'on peut déjà trouver sur le marché. Les manettes sont très semblables à ce qu'on peut déjà trouver. Ça ressemble un peu à des manettes SRAM. Une chose est sûre, Rotor peut narguer la concurrence. Pourquoi? Grâce à la légèreté de son ensemble. Il faut savoir que Rotor n'a pas juste créé des dérailleurs et des poignées. Ils ont été jusqu'au bout et ont même été créer une nouvelle cassette 100% compatible Shimano et SRAM au passage. Donc vous pourrez acheter cette cassette indépendamment, je pense. Et son gros avantage, c'est sa légèreté. La cassette est seulement à 136 grammes. Ça en fait donc la cassette la moins lourde sur le marché. Alors malheureusement, comme je vous le disais, je n'ai pas pu essayer ce groupe Rotor Uno, mais j'espère très prochainement pouvoir mettre les mains dessus pour pouvoir me faire mon propre avis et pouvoir vous redonner mon ressenti. Ok, le prix est assez excessif, 2 500 € sans pédalier, ça commence à faire un peu cher, peu d'entretien, donc c'est quelque chose à voir dans le temps, affaire à suivre, peut-être au travers d'un prochain test sur Normandy Cycling, je l'espère. Autre test à venir sur la chaîne Normandy Cycling, celui de la marque Bike 7. Je ne connaissais pas du tout cette marque, très largement distribuée en Belgique. Elle arrive maintenant en France et c'est vraiment un bon point. Souvent dans l'entretien du vélo, on est assez perdu. Il y a des produits de partout dans les grossistes et chez les revendeurs. On ne sait jamais quoi acheter. On achète alors un shampoing d'une marque, un dégraissant d'une autre, un lubrifiant d'un autre. Et bien Bike 7, ils ont décidé tout simplement de nous simplifier la donne en créant un coffret comme celui-ci de 5 produits qui va remplir toutes les tâches possibles et inimaginables pour bien entretenir votre vélo. La garantie d'un vélo bien soigné, c'est la garantie d'un vélo qui va vraiment bien marcher sans souci technique et qui va vraiment durer plus longtemps dans le temps, que ce soit la peinture ou la transmission. On retrouve alors un nettoyant shampoing, un clean nettoyant, un lubrifiant humide, un lubrifiant sec et un dégraissant à l'intérieur de ce pack. On va pouvoir réaliser une vidéo test en utilisant à long terme ces 5 produits pour voir si oui ou non, grâce à ces produits, l'entretien est facilité. Et je suis sûr que oui, ne serait-ce que par la petite finition Shine Protect qui va vraiment venir parfaire votre nettoyage et venir lubrifier efficacement tout ce qui est étrier. Donc ça, c'est un produit qui va arriver très vite en test sur la chaîne Normandy Cycling. Autre atelier durant cette journée, les produits Squeezie. Je ne sais pas si vous connaissez. Au premier abord, je me disais non, je ne connaissais pas cette marque, mais ils ont tout simplement décidé de changer le logo. Et en fait, Squeezie, si vous ne connaissez pas, ce sont les premiers à avoir créé le fameux gel énergie que l'on trouve sur le marché maintenant. Toutes les marques proposent maintenant ce type de gel. Et bien, Squeezie ont été les premiers à le faire. Donc, on a reçu quelques échantillons de ce qu'ils proposent. On va pouvoir aussi les tester lors d'un bike trip, par exemple, avec ici des petites gommes. On a ici de l'énergie drink, une barre énergie. Et aussi ici un énergie gel, un gros énergie gel quand même, arôme citron, 125 ml. Donc on pourra tester ça dans notre prochain bike trip à coup sûr. Durant cette journée, on a aussi eu l'occasion tout simplement d'aller essayer un vélo. Malheureusement, j'ai pas pu beaucoup ramener d'images. Pourquoi? Car il faisait vraiment pas beau, il y avait de la pluie, il faisait froid. Donc j'ai préféré garder les deux mains sur mon cintre et ne pas tomber. On a pu alors essayer, Mathias et moi tous les deux, un vélo Eddy Merckx. J'avais jamais pu tester cette marque. Donc on l'a testé sur 40 km dans des conditions assez particulières, donc pour profiter d'un vélo dans ces conditions-là, c'est pas évident.
mais ça nous a vraiment permis de pouvoir tester cette gamme de produits d'Immerse. On aura peut-être l'occasion de retester à ce genre de vélo vraiment plus en détail sur la chaîne. On a pu découvrir un peu la région, on a pu voir que c'était quand même assez vallonné et on a pu rouler tout simplement avec John Gadré. Ça c'était un peu la surprise, on est parti faire du vélo, on s'est retrouvé dans la roue de John Gadré, donc ça c'était le petit aspect sympa de la journée Alternative Sport. Rotor, Bike 7, Squeezie, 4 likes que j'ai sur la tête, tout ça arrive très vite sur la chaîne Normandie Cycling. On n'a pas fini d'entendre parler de toutes ces marques et je suis vraiment très content d'avoir pu faire ce déplacement pour vous, pour pouvoir vous permettre de découvrir des nouveaux produits. On en reparle très vite sur la chaîne Normandie Cycling. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre un gros pouce en l'air sur ce genre de vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain test. Je ne sais pas par lequel on va commencer. Tiens, et si on parlait tout simplement des fameux plateaux Rotor Curing? Je vous en parle depuis un petit moment, vous êtes beaucoup à me le réclamer. Ça fait maintenant plusieurs mois que Mathias les utilise à plein temps. Donc on va tout simplement pouvoir faire un retour complet sur ces mots plateaux, ce que ça apporte, ce que ça génère, ce que ça donne dans nos performances. Allez, on se retrouve très vite pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao !